Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Reporter Normandie Jeune. Je suis Enzo Lacombe, élève de seconde pro SAPAT, service aux personnes et au territoire, du lycée professionnel agricole d'Alençon. Nous sommes en direct de la conférence de presse pour présenter notre émission de TV, Les héros et héroïnes du quotidien, intitulée Les gardiens du SAP, qui aura lieu en direct demain, vendredi 20 mai à 14h. Au programme de cette émission, des chroniques et interviews de professionnels dans le service aux personnes et au territoire. Elle aura pour objectif de mettre en lumière des hommes et des femmes qui, par leur métier, représentent pour nous des héros et héroïnes du quotidien. À présent, je passe la parole à Mathilde pour présenter nos invités. Bonjour à tous. Nous sommes en plateau avec Madame Darrette, conseillère principale d'éducation, Madame Habibi Nouri, élue régionale de Normandie, Madame Desnoyers, professeure référente du projet Web Télé, et Mélia Plu, une élève qui participe au projet. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation, mais avant de parler du projet Web TV, générique. Comme vous l'avez compris, nous sommes en direct du lycée professionnel agricole d'Alençon avec Madame Darrette, CPE. Est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir de présenter l'établissement, s'il vous plaît? Alors, le LPA d'Alençon fait partie du campus Terre et Avenir, qui regroupe à la fois le LPA d'Alençon et le lycée AC, le CFA, le CFPPA, un centre équestre et une ferme. Nous avons 5 classes réparties sur 2 filières, un CAP service à la personne et vente en espace rural, et un bac pro en 3 ans, service à la personne et au territoire. Ça représente une centaine d'élèves à peu près. Merci. Pourquoi acceptez-vous un projet Web TV dans le lycée? Alors, en fait, le projet Web TV, c'est un petit peu naturel pour nous, parce que ça fait partie non seulement de l'éducation aux médias, mais en plus, c'est une ouverture culturelle, c'est une façon pour vous approprier le territoire, qui correspond effectivement complètement à votre diplôme. C'est aussi une façon pour vous de voir comment on peut utiliser des outils du quotidien, un téléphone, des choses comme ça, pour en faire quelque chose finalement d'un peu plus constructif que juste envoyer un message. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres projets qui sont mis en place sur l'établissement, s'il vous plaît? Ah, beaucoup de projets sur le lycée, des projets à la fois culturels, notamment avec le vernissage dont vous avez parlé ce soir, de l'exposition sur les héros du quotidien. Aussi des animations en EHPAD, en école, ici ou sur site. Une semaine sur l'animation. Comment ça s'appelle? Animation EIE3A. EIE3A. Alors le 3A, je ne sais jamais, c'est la médiation par l'animal. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le développement durable. Enfin, bref, toute l'année, plein d'animations pour tous. Merci pour vos réponses, Madame Darrette. Je passe maintenant la parole à Enzo, qui va poser quelques questions à Madame Habibi Nouri, élue régionale. Pardon. Merci. Alors bonjour Madame Habibi Nouri. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes élue à la région Normandie. Quelle est votre première impression en arrivant sur ce plateau? Alors, un peu d'appréhension parce que je vous voyais tous au taquet, le sourire, en train de stresser un peu pour que tout soit parfait. Donc, ça me met l'impression de mon côté pour assurer à vos côtés. Je serais contente d'être ici, d'ailleurs. D'accord. Vous avez été membre du conseil régional des jeunes avant de devenir élu régional. Quel a été votre parcours? Alors, je me suis d'entrée en études supérieures, je me souviens, et quand j'ai vu, j'étais sur mon téléphone comme la plupart des jeunes, et je vois une publication de la région qui dit Conseil régional des jeunes, engagez-vous. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc je regarde rapidement ce que c'est, et puis ensuite, comme tous les jeunes, je passe à autre chose, et puis j'oublie. Et un jour, je devais aller en cours et j'entends à la radio le Conseil régional des jeunes, c'est bientôt, fin des inscriptions, c'est rapidement. Donc je me suis dit, j'ai toujours aimé faire des choses pour les gens et je me suis dit, ben pourquoi pas? Et de pourquoi pas, ben maintenant vous voyez que je suis passée au Conseil régional tout court et plus des jeunes. En fait, c'est allé naturellement, j'ai toujours aimé faire des choses pour les gens et j'ai eu des opportunités qui sont venues. Et puis à un moment, j'ai fait, ben on y va. Et puis ça a fonctionné, je crois, a priori. D'accord. Pourquoi cet engagement politique? Eh ben, j'ai répondu juste avant, j'ai toujours bien aimé faire des choses pour les gens. Et au Conseil régional des jeunes, on était une instance apartisane. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne dépendait pas d'un parti. En fait, on faisait juste des projets comme ça. C'était des jeunes ensemble qui travaillent pour faire des choses cool, des choses intéressantes pour le territoire. Et là, quand on m'a demandé d'être sur une liste pour les élections régionales, je me suis dit, oulala,
qu'est-ce qu'on va penser, parce que là, ça va être derrière un président, derrière une liste, et ça me faisait très peur parce que j'aime pas du tout ça, les étiquettes, et donc d'ailleurs je suis sans étiquette, j'ai pas de parti. J'avais peur qu'on me colle telle ou telle image, alors que moi, ce que je voulais, c'était faire des choses pour les gens, pour les territoires. Je suis d'Alençon, je suis d'ici, et je voulais, bon, je suis aussi pas mal sur Caen pour mes études, mais je voulais faire des choses pour les gens, tout simplement. Et les gens m'ont bien rendu, puisque le 27 juin, j'ai vu mon nom sur le site du ministère de l'Intérieur. C'était pas du tout prévu, je devais partir à Paris. Avec le CRG d'ailleurs, comme j'étais toujours membre du Conseil Régional des Jeunes. Et donc je me souviens avoir appelé Clément Lévesque qui s'occupait de nous, c'est l'agent de la région qui s'occupait de nous, en lui disant bah, « Oulala, comment est-ce que je fais? Je vais pas pouvoir être là, je suis élue maintenant. » et tout a suivi très vite, tout le monde a été super compréhensif. J'ai eu de la chance d'être très bien entourée, aussi bien par ma famille que par mes amis. Parfois j'appréhende toujours, quand je suis sur des plateaux comme ça, je me dis « Oulala, qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Mais vous vous débrouillez très bien, et je pense que moi aussi ça va, je pense, je sais pas ce que vous en pensez. Mais on est là tous ensemble, et puis on fait au mieux. D'accord. Pourquoi la région a-t-elle mis en place le dispositif Reporter Normandie Jeune ? Et bah pour pouvoir donner l'occasion à des jeunes incroyables comme vous de faire vos preuves, d'apprendre des nouvelles choses, de pouvoir prendre la parole en public, parce que c'est important aujourd'hui, bah ce sera important dans votre travail plus tard, spécifiquement ici, comme vous aviez pu le dire, madame la CPE. Et c'est aussi contribuer à faire des projets dans vos établissements. Vous travaillez, vous faites plein de choses, et ça vous permet de prendre de l'assurance, de travailler ensemble, de faire des projets. Donc c'est super, et nous, on est heureux d'investir là-dedans. Et puis on voit que vous nous le rendez bien en étant aussi préparés et aussi à l'aise. Ça fait plaisir. Merci. Selon vous, en quoi l'éducation aux médias est importante? Alors aujourd'hui... vous le savez tous, avec la société de médias, avec les réseaux sociaux, on est confronté à beaucoup de fake news, beaucoup de phishing, on reçoit beaucoup de liens, et ça touche tout le monde, parce que j'ai été piratée la semaine dernière, et je ne crois pas avoir cliqué sur quoi que ce soit, donc c'est important d'être sensibilisé, à chercher toujours les sources des publications qu'on peut voir, des articles qu'on peut voir. Pourquoi aussi ça vous permet aussi d'être plus en phase avec le monde, de pouvoir utiliser plus d'outils, être plus à l'aise avec la société dans laquelle on vit, parce que si vous ne le faites pas, il y a des gens qui vont étudier là-dedans ou qui sont dans des milieux dans lesquels ils sont plus à même de maîtriser tout ça. Donc c'est pour remettre un peu les choses à plat et pouvoir permettre à tout le monde d'être égaux, d'être égal dans ce milieu-là. D'accord. Vous êtes une jeune élue. De quelle manière pourriez-vous inciter les jeunes à s'engager en politique ? Alors, c'est drôle que vous... Enfin, je ne sais pas si on se tutoie. Bon, on peut se tutoyer, j'ai 21 ans, donc on a presque le même âge. C'est drôle que tu me poses cette question, parce que après les élections, je n'ai pas de parti. Hein, donc, je me suis dit, oulala, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui s'abstiennent. Dans le sens, ça ne m'étonnait pas plus que ça, parce que c'est déjà quelque chose que je ressentais au niveau de mes amis, au niveau de ma famille. Déjà, ils ne comprennent pas pourquoi je suis élue. Ils me disent, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu travailles autant quand ils me voient à minuit, une heure, en train d'étudier des dossiers? Ils me disent, mais pourquoi tu ne fais pas ça la journée? Bah, parce que j'ai cours, je suis étudiante à côté. Et je me suis demandé aussi, il y a beaucoup d'affaires politiques, de scandales, etc. Et les gens associent la politique à ça. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je vais lancer des cafés. Je me suis dit de reconnexion politique. Donc je vais faire venir des gens, lambda, n'importe qui. Bon, des gens qui sont déjà initiés à la politique peuvent venir, mais ça n'a pas trop d'intérêt puisqu'ils savent déjà que ça les intéresse. Donc je veux qu'ils viennent et qu'ils me disent de quoi ils ont envie de parler. Ça peut être, j'ai vu qu'il y avait encore un scandale avec les dauphins aux îles Féroé qui se faisaient étriper à main nue. C'était affreux, donc on pourrait très bien parler de ça. Et pourquoi pas, au fil du temps, monter des dossiers et puis aller voir des organisations, des instances politiques. Mais c'est pour reconnecter tout le monde à la politique et voir que c'est pas un gros mot. En fait, tout le monde fait de la politique. Aujourd'hui, être végétarien, c'est faire de la politique, mais les gens ne s'en rendent pas compte à cause des affaires diverses. J'ai pas envie de donner de nom aujourd'hui parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais voilà. D'accord. Et comment on peut se renseigner pour rejoindre vos cafés? Je vais lancer ça sur mes réseaux, mais je vous laisserai ma carte et puis on pourra discuter. Je suis encore en train d'étudier comment est-ce que je vais lancer ça, dans quelle ville, peut-être commencer à Alençon, parce que je suis d'Alençon à l'origine, et puis voir si je fais tourner ça dans d'autres villes dans la région, puisque je suis conseillère régionale et pas seulement à Alençon. Mais je note que vous avez l'air assez, que tu as l'air assez intéressée. Vous êtes également étudiante en droit. Comment conciliez-vous cela à votre mandat d'élu? Parfois c'est assez compliqué.
Bon, déjà, j'ai de la chance d'avoir une majorité qui est assez conciliante là-dessus. Enfin, par exemple, quand je suis en période d'examen, ils vont me dire « bon, d'accord, tu peux ralentir ». Bon, même si j'ai une surprise, il y a quelques semaines, c'était un jour de partiel et je reçois un SMS, puis un mail, puis un autre message en me disant « bon, désolé, je sais que vous êtes en partiel, mais c'est vraiment urgent ». Mais sinon, la plupart du temps, on me laisse respirer un peu quand je suis en partiel. Et puis, quand je peux vraiment pas, je dis que je suis pas disponible. Mais sinon, c'est vrai que ça me fait des journées assez costauds. Enfin, parfois, je peux aller à Rouen, à Caen. Là, le 20 juin, je vais au Havre. Bon, là, je serai en vacances, mais c'est assez, assez fatigant. Et puis, c'est compliqué de voir sa famille aussi. Là, j'étais en repas de famille dimanche et c'est ma grand-mère qui me dit « bah alors, t'es là aujourd'hui ?» Ça fait pas très plaisir. Enfin, je me suis dit « mince, faut que j'essaie de faire un peu plus d'efforts. » Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. La journée, je suis étudiante en droit en plus, donc c'est pas rien. Comme chaque, toutes les études sont compliquées en soi, mais là, en l'occurrence, c'est beaucoup de cours, des cours très très compliqués. Puis j'ai une mémoire auditive, donc c'est un désastre quand je dois reprendre tous mes cours. Il faut que ça rentre là-dedans et que je les répète des centaines de fois. Comme je n'ai pas le permis, tiens, ça me permet de parler de ça. Je voyage en train, donc je peux travailler dans le train, donc c'est pratique. Au moins, bon, ça ne me fatigue pas. Dans le sens parce que je n'ai pas à conduire. Et puis en même temps, je peux travailler mes dossiers, préparer mes discours, et puis réviser mes cours aussi des fois, parce que je travaille de temps en temps. Bah, merci Madame Abubinori pour toutes vos réponses. Merci et à toi. Je passe à présent la parole à Mathilde. Merci. Madame Desnoyers, vous portez ce projet depuis le début de l'année scolaire. Pourquoi vous avez choisi le thème des héros du quotidien pour cette première émission ? Donc, avant de parler du thème précisément, je voudrais juste revenir sur le cadre dans lequel s'inscrit ce projet. Donc, ce projet s'inscrit dans le cadre du projet Web TV, donc soutenu par la région. Et nous l'avons initié dans le cadre d'un EIE Média, donc un enseignement à l'initiative de l'établissement, justement pour éduquer aux médias et à l'information. Et nous avons choisi effectivement de proposer un thème axé sur les héros et héroïnes du quotidien, notamment pour rendre honneur, hommage à tous ces hommes et toutes ces femmes qui quotidiennement œuvrent dans l'ombre pour justement soutenir tous les publics fragiles et aussi redonner aussi l'envie aux jeunes que nous formons dans l'établissement donc d'adhérer à cette filière, de s'impliquer pleinement dedans et de les conforter aussi dans leur choix. Selon vous, que peut apporter ce projet aux élèves ? Donc, dans le cadre d'une pédagogie de projet, les élèves sont véritablement acteurs de leur formation, de leur apprentissage. Donc, ça leur permet d'une part de développer leur autonomie, leur organisation, mais aussi de travailler l'esprit d'équipe. Et donc, c'est très important, mais aussi, encore une fois, de les sensibiliser, comme l'a dit Madame, à l'éducation aux médias dans le contexte que nous connaissons, des fake news, etc. Donc, c'est véritablement un projet très intéressant pour les jeunes et qui leur permet, encore une fois, de favoriser leur autonomie, l'esprit d'équipe. Et en même temps, ce qui est très important aussi pour vous, je pense, c'est de découvrir ces métiers dans le secteur du service aux personnes et de conforter vos choix d'orientation professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des points forts et des difficultés que vous avez rencontrées pour la réalisation de ce projet ? Donc les points forts, bien, c'est ceux que j'ai cités un petit peu précédemment, c'est-à-dire travailler la communication, l'organisation, le travail en équipe, l'autonomie. Après, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, comme dans tout projet, notamment la gestion des conflits au sein du groupe, par exemple, qu'il a fallu apaiser. Et puis, en même temps, les difficultés, ça a été aussi de filmer directement les professionnels dans leur environnement de travail pour des questions déontologiques. Donc voilà, mais globalement, il y a eu plus d'avantages que d'inconvénients dans ce projet. Est-ce que vous avez un bilan pour cette fin de projet ? Donc le bilan que je dresse est tout à fait positif et bénéfique pour les jeunes qui ont tout de suite adhéré à ce projet, au dispositif. D'ailleurs, j'en profite pour remercier chaleureusement Adrien Brechtot et Delphine Desnat avec qui j'ai travaillé durant les séquences de pluridisciplinarité et qui m'ont accompagnée notamment pour la partie technique et rédactionnelle tout au long de ce projet.
Et je dresse un bilan positif à titre personnel et une satisfaction, bien évidemment, d'avoir été au bout du projet, puisque depuis 2 ans, en raison du contexte sanitaire, les projets ont été annulés. Donc, c'est vraiment une satisfaction personnelle. Et je pense que les élèves sont vraiment très heureux aujourd'hui de partager cette expérience qui restera, je pense, mémorable et que j'aimerais renouveler. Merci beaucoup, Madame Desnoyers, pour ces précisions. Nous allons maintenant poser quelques questions à Amélia, qui participe au projet. Allons sans plus attendre lui demander. Que penses-tu du projet axé sur la web télé? Je trouve que c'est un projet très intéressant. Il nous a permis de rencontrer des professionnels. Et puis, on a pu poser nos questions et on a eu nos réponses. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce type de projet? On a pu travailler tout ce qui est technique, avec les cadrages, le son, la mise en forme. On a aussi rencontré des professionnels, bien sûr. Et puis, on a géré notre stress, comment parler devant une caméra, tout ça. Depuis quand travailles-tu sur ce projet? On travaille depuis le mois de septembre, donc depuis 8 mois, ouais. Comment t'es-tu organisée pour mener à bien ce projet? On s'est mis par binôme. On a décidé de représenter un métier. Ensuite, on a réalisé plusieurs questions avec l'aide de Delphine. Et puis, on a après vu les techniques pour comment mettre le son avec la vidéo. Et après, on a rencontré les professionnels pour réaliser le reportage. Et on les a envoyés pour ensuite réaliser le reportage de demain. Pourquoi une émission axée sur les métiers du service à la personne? Parce que ça correspond avec notre formation. Et puis, comme on est des secondes, on sort du collège ou du CAPA. Et on ne sait pas trop vers où s'orienter. Ça nous a permis de travailler sur les métiers et savoir un peu plus pour notre orientation future. Et pourquoi toi, en particulier, tu as choisi cette filière? Parce que j'aime bien l'accompagnement avec les personnes, les enfants, les personnes âgées, personnes handicapées, de les accompagner, de les soigner, les aider. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers un bac pro. Comment t'es-tu sentie à la veille de la diffusion? Je me sens bien, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois dire. Donc normalement, ça devait bien se passer. Merci à tous de votre participation. Merci aux élèves de la régie, à Adrien pardon, et à Xavier. Nous serons heureux de vous retrouver en direct du LPA d'Alençon pour la diffusion de notre émission Les Gardiens du SAP à partir de 14h. Ne manquez pas le rendez-vous. Vous pourrez nous retrouver sur le site reporter-normandie-jeune.normandie.fr. Bonne journée. Et à demain.